au tour de Bernadette Lafont de s'installer dans le fauteuil maintenant. Pour Paulette. Venez ici, Paulette. Bernadette, je l'appelle Paulette. C'est l'héroïne du film. Dans le générique du film, on voit que Paulette a eu une vie plutôt joyeuse du temps où elle avait avec son mari ce magasin, cette pâtisserie, vous m'avez-vous précisé tout à l'heure, alors que j'étais persuadé que c'était un restaurant, mais tout simplement parce que la pâtisserie a été transformée en restaurant par des Chinois. Voilà, d'ailleurs, où commence à naître son racisme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contente d'avoir perdu sa boutique. Elle est nostalgique de ses joyeuses années avec son mari Francis. Qui est mort. Elle est veuve. Eh oui, car elle est veuve. Et la première scène est évidemment très amusante parce qu'elle vient se confesser. On peut la raconter, c'est la première scène du film. Elle vient se confesser pour dire qu'elle a mis quoi? De la morora, Des cafards. Des cafards. Elle a mis des cafards dans les assiettes du restaurant chinois pour se venger. Et voilà, et elle dit plein de mal des étrangers, évidemment des Chinois, de son petit-fils qui est black. Mais on n'a pas encore vu le curé au début du film. Et on s'aperçoit petit à petit que le curé est black lui aussi. Elle le sait pourtant, hein, quand elle lui dit ça. Bien sûr, puisqu'elle dit « Vous auriez mérité d'être blanc, mon père. » Et voilà. C'est drôle dès le départ. Dès la première scène, on a une surprise, on est amusé. Il est très doué. Elle le voit trois fois, hein. Elle a trois confessions. Ah bah oui, dès qu'elle se met à vendre du shit, elle y retourne. Ah oui. Parce qu'elle a honte, évidemment. Ah oui, elle est... Bien sûr, elle a le sens du péché. Elle est dépassée par ses affaires. Complètement. Elle est dépassée par ce qui se passe, peut-être par le 21e siècle, par la transformation des choses. Bien sûr, elle est complètement larguée, quoi. Vous avez fumé, vous, du cannabis, Bernadette Lafont? Oh, peut-être au siècle dernier. C'est pas si vieux. Et des gâteaux au shit, comme vous en faites dans le film? Non, ça me ferait peur d'ingérer quelque chose. Ça, il faut dire qu'il y a une scène très marrante, hein, où on voit, parce que on va pas expliquer pourquoi, parce qu'il faut laisser des surprises aux spectateurs qui iront voir le film, mais il y a une scène où vos copines, mamie, elle aussi, retraitée, mangent alors un su... Un space cake. Et ça a des conséquences sur Dominique Lavanant et ses copines, assez comiques quand même. Oui, oui, elle rit beaucoup. Elle passe un bon moment. Absolument. C'est là où Natacha Polony a raison. Et finalement, le film fait un peu l'apologie du shit. Totalement. Ça fait l'apologie du shit. En gros, le shit, ça rend sympa, ça supprime le racisme, tout le monde s'aime, et en plus, ça recrée du lien social. C'est formidable. Alors, c'est ça qui est un petit peu bon. Quand on connaît son opposition au cannabis, ça a dû t'énerver. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une comédie, parce que c'est drôle et parce que c'est bien fait et qu'on voit évidemment que tout ça est c'est une caricature bon enfant. Il ne faut pas prendre au premier degré, tu sais, mais en effet, ce n'est pas moral. Vous trouvez ça trop moral? Bah, c'est bizarre parce que moi, justement, je suis pour la dépénalisation du cannabis, etc. Oui, j'étais un petit peu déçu. J'ai vachement aimé les 5-10 premières minutes. Je trouvais que ça démarrait très fort. Et puis, j'ai trouvé que ça devenait un petit peu convenu, que le scénario n'avançait pas vraiment. Que même... Des mamies qui se défoncent, on n'en voit pas tous les jours. Ouais, mais c'était un petit peu attendu. Moi, j'ai trouvé ça un peu attendu. J'ai pas été surpris. Vous êtes vraiment mais très, très bien dans le film. Et tous les acteurs sont très bien. Vous connaissez certainement le cinéma italien des années 70, Affreux, sale et méchant. Je connais très mal ce cinéma. Ah, parce que c'est ça. C'est-à-dire, c'est. Mais ça ne me gêne pas. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, j'aurais aimé que vous alliez beaucoup plus loin dans ce côté un peu trash. Moi, c'est le début que j'ai beaucoup aimé, quand justement on découvre ce que racontait Laurent, que vous êtes raciste, etc. Vous dites des choses horribles que finalement on entend peu au cinéma en ce moment, dans le politiquement incorrect. J'aime beaucoup ça, puis je trouve que ça s'agit très rapidement au bout d'un quart d'heure. Voilà, donc c'est pour ça que. Ça s'agit, vous êtes drôle, vous quand même. Elle arrive même jusque dans un réseau russe, quand même, à la fin du film. Et c'est là où ça se gâte, d'ailleurs. Bah, c'est quand même normal que la comédie tourne à des choses un peu plus irréaliste. Non, mais c'est surtout que c'est ça qui fait que ça marche, c'est que justement, ça n'est pas un documentaire social, ni même un manifeste pour la dépénalisation du cannabis. C'est une comédie. C'est pas réalisé par de la Villardière. Voilà, c'est ça. Heureusement. Mais moi, j'avais lu une critique disant « Ah, c'est un peu du Ken Loach ». Et moi, j'aime bien Ken Loach. Moi, je trouve que c'est quand même très irrévérencieux, c'est quand même drôle parce que justement, les dialogues sont très réussis et puis elle a des paroles quand même étonnantes. On voit rarement une mamie dire à son petit-fils black « C'est grâce à toi, tu m'as sauvé la vie, mon petit bamboula ». Bon, elle est quand même spéciale, cette mamie-là. C'est très affectueux, le petit bamboula. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que tous les petits-enfants noirs aient envie qu'on les appelle petit bamboula. Ouais, mais on peut traiter très gentiment quelqu'un de petit con, non? C'est à moi que vous dites ça. Mais ça peut,
C'est pas forcément... Bon, heureusement, là où a raison Émeric Caron, heureusement, c'est vrai qu'elle devient gentille. Plus on avance dans le film et plus les relations... Ça qui est formidable, c'est qu'elle va découvrir son petit-fils qu'elle détestait. Elle va finir par l'aimer. Oui, même le découvrir tout court, il y avait une chose de refus parce que c'est quelqu'un qui est... C'est Axel Lafont qui joue la fille, hein, et la maman du garçon. Oui, oui, qui est très bien. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir alors? Mais elle va le découvrir lui, parce qu'il y avait un phénomène de rejet de ce petit-fils noir est lié au chinois, au changement que tout a changé depuis son époque. Elle est rancie, et donc elle pouvant se réaliser enfin en retrouvant tout ce qu'elle sait faire, finalement, c'est du commerce dans lequel elle excelle, donc ça va mieux, et donc elle devient peut-être comme elle était avant. Elle lui dit au curé, d'ailleurs, j'ai l'impression de changer à mon âge, ça me fait peur. Ça fait rire Natacha Polony. D'autres remarques sur Paulette? Non, ce qui est intéressant là-dessus, c'est aussi de voir qu'à un moment de votre carrière, vous disiez que, passé 40 ans, en gros, on n'a plus que des seconds rôles quand on est une femme au cinéma. Là, vous avez un rôle qui vous parle. C'est le rôle titre. C'est non seulement un rôle titre, mais c'est un rôle qui parle d'une femme d'un certain âge. Vous assumez ça. Il y a une façon, justement, de jouer de ce que vous êtes devenue, de cette figure, parce que... Je vous avais dit aussi dans une interview que tous ces jeunes gens qui n'avaient pas forcément vu tous vos films avaient un respect pour vous parce que vous êtes une grande figure du cinéma. Finalement, vous êtes dans l'épanouissement le plus total, quoi. En gros, c'est bien d'avoir atteint cet âge où on peut être respecté. C'est formidable d'avoir... Vous savez, les rôles, je pense qu'on a un grand rôle tous les 10 ans sur lequel on peut tourner comme ça. Et puis même, finalement, quand on pense des grandes actrices de cinéma, on se souvient d'un ou deux rôles, pas plus, et qui peuvent vraiment marquer. Et ça, c'est la chance d'avoir eu vraiment le rôle des 70 ans, comme j'ai eu celui des 20, des 30, des 40. Ça, je trouve ça, ça me plaît bien, ça, effectivement. Sur tous ces rôles au cinéma, un seul César au total? Pour le deuxième rôle de l'effronté, puis un César d'honneur pour la carrière, jamais 203, vous me direz. Ah, vous aviez eu un César d'honneur, j'avais oublié. Oui, ce César oui, d'honneur. Oui, oui. Oh, ça, c'est moins marrant, un César d'honneur. Oh, c'était quand Toscan vivait encore, que j'aimais beaucoup. C'est lui qui m'avait voulu que Charlotte Gainsbourg, vous avez tourné avec elle, ah, toute oui. jeune, dans L'Effronté, le oui. film de Claude Miller. 14 ans, elle avait. Elle avait 14 ans, et vous l'avez retrouvée bien plus adulte avec Alain Chabat dans le film Prête-moi ta main. Là, quand même, vous avez vu une comédienne évoluer. Et elle n'avait pas tellement changé. Ah bon? Ah oui, elle avait toujours ce même charme, cette même réserve, c'était étonnant. En tout cas, on vous appelle souvent maintenant pour des rôles marquants dans des comédies, c'est le cas dans Prête-moi ta main, c'était le cas aussi dans La Première Étoile, ce film où des Antillais allaient pour la première fois au sport d'hiver, et là aussi, hein, oui, il y avait des préjugés. Et ça ne vous fout pas la trouille quand même que maintenant, dès qu'on pense à une dame, on va dire, d'un certain âge, mûre, raciste, on fasse appel à Bernadette Lafont? Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Lucien Jean-Baptiste, qui a réalisé la première étoile, très, très drôle et très réussi, qui est antillé, là, quand il m'a proposé le rôle, il m'a dit, mais elle est pas... C'est lui qui m'a dit ça, elle n'est pas raciste, c'est qu'elle est ignorante, parce qu'elle dit quand même à Firmin Richard, elle lui dit, mais c'est où les Antilles en Afrique? C'est d'ailleurs ça la morale des deux films, que ce soit La Première Étoile ou le film Paulette. L'ignorance, c'est la mère de tous les vices, peut-être. Exactement. Le manque de connaissances, l'ignorance, on ne sait pas et c'est ce qui rend parfois bête. Et oui, on refuse. On refuse qu'on ne connaît pas. Émeric Caron, un dernier commentaire ou une question à Bernadette Lafont? Bernadette Lafont, moi je me souviens, j'ai un souvenir, je vous avais découvert, j'avais une quinzaine d'années, dans un vieux film en noir et blanc de La Nouvelle Vague, mais je ne sais plus lequel. Je l'ai recherché tout à l'heure, je ne sais plus lequel, et j'avais une quinzaine d'années, j'étais assez subjugué par vous, par votre personnage et tout, et donc c'est vrai que je vous suis quand il y a un film comme ça avec grand intérêt, et c'est vrai que j'étais heureux de vous voir dans un film avec ce premier rôle, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu de voir que malgré votre talent, vous n'arriviez pas, selon moi, à sauver le film. Je pense que vous avez une carrière tout à fait atypique, intéressante, et j'ai lu dans le dossier de presse qui vous était consacré, une phrase de Jean-Pierre Mocky que j'ai trouvée vraiment, vraiment amusante, enfin amusante, en tout cas symptomatique. Il vous avait dit ça dans les années 80, et vous avez dit, mais finalement, votre problème, c'est que vous restez belle, vous ne devenez pas moche comme Signoret. Si vous deveniez grosse et moche comme elle, vous feriez un max d'argent. C'est ça qu'il vous avait dit? Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui. Mais bon... Et vous avez cette élégance, effectivement... C'est pas tellement intéressant comme réflexion. Bah, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire qu'en fait, vous vous reprochez de ne pas faire votre âge, de ne pas pouvoir rentrer dans un certain nombre de rôles qui auraient collé aux 40 ans, 50 ans, non, et que vous étiez dans les chaînes d'entre deux, contrairement à Signoret qui, tout à coup, s'est fait, dans sa dernière partie de carrière, une image extrêmement marquée. Vous, bah, vous êtes resté comme ça pendant un certain nombre de décennies. Donc, mais il sera content, Mocky, de me voir dans Paulette, parce que je me suis vraiment amochée pour jouer Paulette. Oui, lui, il aime bien les drôles de gueules. Tourner avec Mocky, c'est... Mais j'ai fait plusieurs films avec lui. Mais oui, c'est pour ça, ouais, ça oui, quand c'est une expérience. C'est hein. Ah oui, c'est quelqu'un de formidable. Tous les acteurs courent quand ils proposent, parce qu'on peut faire tellement... On peut faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique du moment, puisqu'on a vu une polémique prendre au fil des jours? Ça a commencé par un édito de Vincent Maraval, producteur dans le journal Le Monde. Cette tribune, elle a fait des petits parce que tout le monde s'en empare. On lit dans tous les magazines, dans tous les journaux, les comédiens français sont trop payés, les films français coûtent cher et ne rapportent, rapportent pas autant qu'ils ont coûté. Finalement, ils sont amortis grâce au financement public, financement des chaînes de télévision, et les comédiens ont des exigences exorbitantes aujourd'hui en termes de cachet. Alors il y a même des noms qui sont balancés, je ne vais pas les répéter ici. Vous trouvez que les comédiens français sont trop payés? Écoutez, moi ça, je ne connais pas ce problème-là, mais je trouvais que la réponse de Sam Karman était très intéressante. À... Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il disait que, effectivement... Il y a, il peut y avoir des très grandes différences, c'est-à-dire que quelqu'un qui gagne, je sais pas, 10 millions peut donner la réplique à un acteur qui a 1000 balles, tellement moins, comme ça, que c'était ces très grandes différences. Mais il n'y avait aussi... pas que ce débat-là, pardon. Dans ce qui émerge aussi, c'est le fait que le financement par les télévisions affaiblirait la création parce que les télévisions réclament des têtes d'affiche, réclament des scénarios beaucoup plus soft. Vous qui avez commencé dans une époque où justement il y avait une créativité, où il n'y avait, pas de frontière entre le cinéma d'essai, le cinéma mais expérimental mais et le cinéma il n'y a pas un film qui se monte sans des télévisions, même ça peut être plusieurs chaînes. Donc par conséquent, c'est là le problème, il est là. C'est que ça, on tombe dans des. Le problème, pour être clair, c'est que les télévisions, un peu moins, je l'espère, puis je vais défendre le service public, mais un peu moins peut-être France 2, France 3 et Arte, mais en règle générale, on va dire que les télévisions pensent surtout à financer des films qu'elles pourront diffuser ensuite sur leur chaîne. C'est ça le nerf du problème. Et ça permet aussi, alors là, vous avez raison, parce que même on peut faire des films, de très beaux films qui sont produits très petitement. Je pense à un film que j'ai fait qui s'appelait Les Petites Vacances d'Olivier Payon, qui est un film magnifique, personne ne l'a vu. Ou soit une grand-mère aussi qui enlève ses petits-enfants, enfin, parce qu'elle a peur de vieillir, c'est un très beau film. Eh bien, ce film, il a été produit avec rien, donc pas d'argent pour le sortir, mais juste le sortir une semaine dans trois salles improbables, mais il est acheté par la télé. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il se rattrape, qu'il se récupère. C'est sa diffusion à la télévision oui. qui évidemment le paye. Mais c'est vrai, pour continuer sur cet article qui était très intéressant, il cite l'exemple par exemple de Vincent Cassel, je crois, qui, lorsqu'il va tourner Black Swan aux États-Unis, va toucher un salaire qui correspond... Un salaire qui serait un petit salaire ici, je crois que c'est 250 000 dollars, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de cet ordre-là, alors que lorsqu'il va tourner Mérine... Ça fait combien en euros, 250 000 dollars? À peu près pareil, on va dire. Oui, on va pas chipoter. À ces niveaux-là, on peut dire à peu près pareil. C'est très bien payé, 250 000. C'est très bien payé, mais sauf qu'il devrait demander beaucoup plus lorsqu'il va tourner un film dont il sera à la tête d'affiche en France. Moi, je ne peux pas vous parler de ça, ce n'est pas mon problème. La question, c'est savoir... Lui, je n'ai pas ces chiffres-là, parce qu'elle va sortir, elle va aller voir un réalisateur, puis elle va lui dire, donc je ne me serais pas fait couillonner sur Paulette. Paulette sort, non pas mercredi prochain, attention, hein, mercredi 16 janvier, c'est vraiment un film qu'on peut aller voir en famille, avec Bernadette Lafont, vous l'avez compris. Enfin, dans en le... famille, ça dépend de l'âge des enfants. Hein. Oh, non, il y a rien. Fumette à longueur de temps. Il n'y a rien de méchant. Mais personne ne fume dans le film, Paulette, elle ne fume pas. Soyez pas rabat-joie. Mais si, totalement. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Ah bon, oui, pardon. Carmen Maura, Françoise Bertin, Axel Lafont, André Penvern et Dominique Lavanant autour de Bernadette Lafont. Ça s'appelle Paulette. Rendez-vous dans les salles le 16 janvier, Bernadette. Merci à vous.